Bonjour à tous, bienvenue du coup dans ce nouveau mardi de la commission intelligence artificielle des Hospices civils de Lyon. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir des invités qui sont de l'extérieur de notre institution. Guillaume Cabanac, qui est maître de conférence en informatique à l'Université de Toulouse et au laboratoire IRIT, j'espère que je le dis bien. Et Cyril Labbé, qui est lui aussi informaticien à l'Université Grenoble-Alpes et au laboratoire LIG. Et tous les deux vont nous présenter les travaux qu'ils font sur l'analyse des textes scientifiques, alors à la fois avec des approches d'analyse de langage naturel et de texte, et des approches, si j'ai bien compris, de sociologie des sciences, bon, inspirées par la sociologie des sciences. Donc, voilà, bienvenue à tous. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans le chat. Et ce coup-ci, j'essaierai d'être meilleur que la dernière fois pour les transmettre aux orateurs. N'hésitez pas. Voilà, ben, on se retrouve à la fin de la séance pour un petit quart d'heure de questions. Voilà, merci beaucoup Cyril et Guillaume d'être présents aujourd'hui pour nous parler de vos travaux. Je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de pollution de la littérature scientifique en centrant sur notre travail qui est focalisé sur la traque d'expression torturée, mais également en ouvrant sur d'autres types de manipulations qu'on peut considérer comme des signaux faibles qui commencent à apparaître mais qui ne sont pas très documentés. Donc, c'est une collaboration entre deux universités, Toulouse et Grenoble. Et je vais commencer l'exposé, puis Cyril continuera. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la science, puisqu'on parle de pollution de la littérature scientifique? La science, c'est l'accumulation des connaissances, avec Newton qui nous dit que s'il a pu voir plus loin, c'est parce qu'il s'est appuyé sur des travaux précédents, sur les épaules de géants scientifiques qui étaient là avant lui, bien sûr. Alors ça, c'est une métaphore. Une autre métaphore, c'est la métaphore du mur en science, avec chaque brique de connaissances qui permet petit à petit de monter un mur qui doit être le plus solide possible, le plus robuste possible. Alors quand je pense à ce mur des connaissances, ben, j'imagine un mur un petit peu comme ça, avec ici du verre, là, c'est des vieilles connaissances, mais très solides. Et il y a aussi malheureusement quelques trous comme ça. Alors ces trous-là, ce sont les problèmes qu'on identifie en science. Ben, les scientifiques, eux aussi, peuvent se tromper. Ils ont le devoir de faire au mieux, mais ils parfois commettent des erreurs. Ou alors, avec l'avancée des connaissances, on révise des connaissances passées. Ça veut dire que des briques passées, ben, en fait, elles ne sont pas si solides que ça, elles sont même très friables, voire elles se révèlent être un trou. Alors donc, c'est encore une métaphore, mais si on regarde sur les articles scientifiques, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, l'accumulation des connaissances, on en voit ici, avec une forme de sédimentation, le temps qui passe permet aux articles futurs de citer des articles qui sont déjà publiés avec ce lien de citation. Et le trou qui est ici, ben, je vais le représenter par une petite bombe rouge. Voilà, imaginez que soudain, on se rend compte que ce papier-là, en fait, on ne peut pas y faire confiance parce qu'à l'intérieur, il y a des erreurs, qu'elles soient volontaires ou pas. Il y a une réaction en chaîne, possiblement, sur les articles qui ont cité ce travail-là, qui sont appuyés sur ces briques friables de connaissances. Alors, on peut parler du processus d'autocorrection de la science, qui est une forme de mythe. On entend souvent ça, que la science s'autocorrige. En fait, ce n'est pas la science elle-même, c'est les chercheurs qui vont chercher à corriger la science. Parce qu'une publication erronée est un édifice fragilisé, il faut à tout prix trouver ces problèmes-là dans le mur de la science pour les isoler, pour les indiquer à d'autres chercheurs. Alors, je prends un exemple qui est fameux, qui est à propos d'un article qui a justifié des politiques d'austérité dans le monde entier, qui était écrit par des chercheurs de Harvard, qui avaient publié cet article, qui rapportait des calculs faits notamment avec Excel, sans pour autant fournir les données afférentes. Par la suite, d'autres chercheurs ont voulu continuer les expériences. On demandait à ces chercheurs de Harvard d'avoir accès aux données. Les chercheurs de Harvard ont fourni ces données. Et suite à des recalculs, ben, les chercheurs du futur, par rapport à cette publication de 2010, ont trouvé des erreurs dans la feuille de calcul. Et donc, potentiellement en cascade,
une justification des politiques d'austérité qui est peut-être un peu moins forte que ce qu'elle a pu être. Donc par la suite, ici, on voit le mécanisme de correction de la science. Ces chercheurs, là, Reinhardt et Rogolf, ont publié des errata à propos de cet article-là. Mais peut-être que la conséquence à long terme, ça serait de réévaluer des conditions d'application des politiques d'austérité à la lumière de cet article-là qui a été révisé. Ici, j'ai laissé un petit lien YouTube qui est très très intéressant sur cet aspect-là. Donc quand je pense à cette correction de la science, je pense toujours au mur, mais à un mur qui est un peu mieux monté. Avec ici un trou, ok, il y a le trou, on le sait, il y a des choses qui s'étaient appuyées là-dessus, mais il est moins cracra que ce trou-là. Il est bien délimité et un peu plus robuste. Voilà, sans avoir fait physique à l'université, on peut se dire que ici, le mur tiendra mieux qu'avec quelque chose comme ça qui se ronge et qui va se déliter petit à petit. Donc la publication corrigée ou rétractée, pour moi, c'est ça. Donc un mur qui est plus solide. Alors, le serment des scientifiques, puisqu'en fait tout repose sur les scientifiques, il repose sur quatre normes qui sont proposées par Robert Merton. C'est un sociologue des sciences américain qui, dans les années 40, observe ce qui se passe en Europe. Il y a la guerre, la science nazie. Sous prétexte de. Sous couvert de science, on va expérimenter sur des êtres humains pour chercher à les tuer le plus efficacement possible. Et Merton, qui est tout jeune prof à l'Université de Columbia, réfléchit à pourquoi c'est parti en vrille comme ça, qu'est-ce qui ferait que des normes en science ont été peut-être érodées et qui a permis l'avènement de cette science nazie. Donc il en vient à édicter quatre normes en science. Donc la première, le communalisme, qu'il écrivait en 42 communisme. Il a révisé plus tard le terme, vous savez pourquoi, McCarthy, etc. Donc c'est le fait qu'un scientifique doit publier tout ce qu'il trouve. Voilà. Le secret, c'est l'opposé de cette norme. Puis il y a l'universalisme. J'ai un cerveau, tu as un cerveau, elle a un cerveau partout dans le monde. D'où que vienne une idée, il faut l'étudier pour ce qu'elle est, pas pour d'où elle vient. Donc si deux chercheurs de Harvard publient quelque chose, il faudrait que ça soit étudié de la même façon que deux chercheurs de l'université de Toulouse perdus au fond de la France. Le 3, le désintéressement. Ça signifie que des chercheurs doivent réaliser leurs recherches sans chercher à optimiser une mesure pour eux-mêmes. Par exemple, je fais de la science, ce n'est pas pour chercher en premier lieu à être promu, c'est pour faire avancer la connaissance et servir la société. Voilà. C'est ça le désintéressement. Et dans les histoires qu'on va vous raconter par la suite, en fait, on va voir que le pilier 3 et le pilier 4, ils sont carrément attaqués par des faussaires et des fraudeurs dont on vous présentera l'œuvre. Et le point numéro 4, c'est le scepticisme organisé. Donc la science est un système qui a mis en place ce scepticisme organisé pour valider des connaissances produites. Alors qu'est-ce que c'est? Nous, en tant que scientifiques, puisqu'aujourd'hui je parle à des scientifiques, on sait ce que c'est. C'est le fait d'envoyer son brouillon de recherche à un éditeur qui va le transmettre à des relecteurs pour faire l'évaluation par les pairs et plusieurs tours. De ce cycle-là de lecture-écriture vont permettre soit d'accepter le papier, soit de le refuser. Donc avec un dessin, ça représente ceci, l'évaluation par les pairs. Normalement, les scientifiques doivent, lorsqu'ils reçoivent un brouillon de recherche à évaluer, doivent douter. La science est bâtie sur le doute. On doit douter d'un travail qu'on nous fournit, le lire de façon approfondie normalement, et être ensuite convaincu que c'est un travail original et qui apporte quelque chose pour la société. Et ce n'est qu'alors que ce papier sera accepté. Voilà, il faut douter a priori. Donc nous, dans nos histoires, le pilier 3 est attaqué puisque des fraudeurs cherchent à augmenter leur indice de citation, etc. Et le pilier 4 est effrité puisque le garde-fou en science, qui est l'évaluation par les pairs, ne rejette pas suffisamment ces pollutions qui arrivent sur les bureaux des éditeurs et des reviewers. Alors là, j'ai parlé de Merton précédemment avec les quatre normes. Les sociologues des sciences appellent ça fonctionnaliste, on dirait un système qui est bien huilé, qui fonctionne bien. Bourdieu, lui, est un autre sociologue très influent, un des plus influents au monde et français. Lui, il voyait les chercheurs un peu comme un entomologiste qui voit des petites fourmis qui se querellent, qui se battent,
Il appelle ça la science, c'est le champ scientifique, le champ de bataille, le champ de lutte, sous-entendu. Voilà, donc les gens vont se battre pour les honneurs de grand prestige et awards, prizes, etc. L'acquisition de l'autorité scientifique, l'optimisme libéral qui veut que la science progresse par la force intrinsèque de l'idée vraie et que les puissants soient ainsi par définition les plus compétents. Bon, voilà, ça parle de tout ça. C'est super intéressant à lire. Là, j'ai juste mis quelques éléments pour faire un peu le contre-pied de Merton et indiquer que Bourdieu nous pointe du doigt le fait que la reconnaissance en science, les honneurs, etc., comptent pour nous qui sommes des petites fourmis. Compte à tel point que certaines personnes en viennent à devenir des faussaires et cherchent non plus à faire de la science, mais à produire pour faire augmenter leurs indicateurs, quoi, nombre de citations, nombre de papiers, augmenter jusqu'à une explosion de ces critères. Vous verrez ça, on a des exponentielles parfois sur les publications de jeunes docteurs qui ont passé la thèse il y a 3 ans. Voilà, alors d'autres éléments sur le contexte, puisqu'en fait on vous parle de tout ce contexte pour comprendre toute la suite. La massification, la mondialisation, on est au courant de ces éléments-là, mais ici il y a des chiffres, quoi. 8 millions de scientifiques au monde, 1,2 million de publications scientifiques. Alors d'après l'UNESCO, qui se fondait sur le Web of Science, qui est une base assez restreinte, en utilisant une autre base bibliographique, Dimensions, on voit qu'on est plus près des 5 millions d'articles par an, toute langue confondue, toute origine confondue, tout champ scientifique confondu. Ça fait à peu près 16 000 publications par jour qui arrivent dans Dimensions, qui indexent toutes ces publications. Et on reparlera de Dimensions plus tard. Donc, en fait, les scientifiques, ils sont vraiment comme ça. Bon, vous le saviez déjà, hein, je pense, sans l'image. Alors, on peut remarquer que la pression est assez différenciée. Là, par exemple, on voit la production de la Chine versus les USA. Quand on observe le travail que font des collègues en sciences humaines et qui étudient la publication scientifique dans ces pays, on lit que le pouvoir chinois a mis la pression, une énorme pression sur les petites fourmis, donc les chercheurs en Chine, pour clairement dépasser la Chine en volume. Et désormais, vu que c'est fait, il faut dépasser les USA, pardon, en qualité. Le problème d'avoir fait du volume, c'est qu'on trouve une qualité moindre, et c'est ce qu'on va révéler par la suite. Alors, un autre élément qui explique la suite, c'est que la publication scientifique, c'est un marché au sens économique du terme. Un marché avec des investisseurs, avec des profits, et tellement de profits qu'il est devenu très lucratif de créer des revues scientifiques pour pouvoir les vendre au sein d'un bouquet d'abonnements. Donc les éditeurs, les gros éditeurs, je ne dis pas les grands, les gros éditeurs font ça. Et en 20 ans, on est passé de 25 000 revues actives à presque 50 000. Alors la question qu'on peut se poser, qu'on est en droit de se poser avec un peu d'esprit critique, c'est, OK, on a doublé le nombre de revues, a-t-on doublé le nombre d'experts consciencieux, responsables, qui seront en mesure de réaliser l'évaluation par les pairs, avec à la fois l'expertise et le soin nécessaire? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Alors je peux être encore plus dans la provoque avec, par exemple, un sujet d'actualité, le Covid. Voilà. Quelques semaines avant début 2020, combien y avait-il d'experts en coronavirus dans le monde? Et quelques semaines après janvier, février, mars 2020, combien a-t-il fallu débusquer, trouver, attraper, quand on est éditeur en chef d'une revue, d'experts, pour réaliser l'évaluation par les pairs? Voilà, ça peut poser question. Alors ici, vous avez quelques noms de maisons d'édition qui sont très connues. Qui sont appelés même des oligopoles, hein, par les chercheurs tels que Larivière et Sugimoto qui étudient ce domaine-là, avec des profits, avec des marges qui sont fort confortables, à tel point qu'un film est paru, Paywall, The Business of Scholarship, que je vous recommande également. Alors là, on a parlé des acteurs qui sont dans la loyauté vis-à-vis de la science, qui essaient de bien faire les choses, qui sont des maisons d'édition établies. Il y a aussi, malheureusement, eu de la place pour des faussaires, des arnaqueurs, des revues prédatrices, dites prédatrices. Jeffrey Beal avait lancé une liste, la Beal's List, pour
essayer d'identifier ces maisons d'édition qui ne jouaient pas le jeu, qui ne faisaient pas évaluer les papiers, qui prétendaient faire, mais ne mettaient pas en œuvre l'évaluation par les pairs. Alors, vous pouvez bien sûr imaginer que ces entreprises se sont retournées contre Bill et ont cherché à le faire taire. Ce qui s'est plus ou moins passé de mon point de vue, puisque la Bill 6 a été enlevée et que Bill est parti à la retraite. Et ce problème-là de prédateur est très bien illustré par cette image qui est parue dans Nature, qui montre une hydre à laquelle on va tenter de couper certaines têtes en dénonçant. Voilà, quand des lanceurs d'alerte dénoncent des problèmes, ils coupent les différentes têtes, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais en fait, d'autres sociétés se créent et font la même chose. Ils vont même jusqu'à voler le corpus de certaines revues actives ou qui ne sont plus actives, c'est encore plus simple, il n'y a plus personne qui regarde, pour se créer un semblant de corpus et attirer des auteurs. Alors, certains sont naïfs, d'autres, ils sont plutôt complices, puisque en 15 jours, on peut avoir un papier publié dans une de ces revues prédatrices, moyennant quelques dollars. Voilà, donc nous avons prévu dans les minutes qui vont suivre de vous présenter plusieurs types de manipulations avec notre travail qui est lié aux points 1, 2 et 3, puis une ouverture avec les points 4, 5. Et je vais laisser la parole à Cyril Labbé pour la suite des opérations. Donc, du coup, moi, je vais vous parler du générateur automatique d'articles. Donc, parce que bon, vous avez compris que là, on est dans une période où la pression à la publication ne s'arrête pas et où on a effectivement envie de. Voilà, on aimerait bien avoir un outil où on appuie sur un bouton et on a une publication. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait il y a assez longtemps, parce que c'était fait en 2005 par des étudiants du MIT, qui ont construit un générateur automatique d'articles pour tester des conférences. Donc, ils ont fait un petit film où ils montrent la présentation qu'ils font de leur papier généré automatiquement dans une conférence qui avait commencé par accepter le papier, puis après a prétendu que c'était un papier qui était non peer-review et que donc il n'allait pas être pris en charge, etc. Donc voilà, l'histoire est racontée dans le petit film. Et dans le petit film, il conclut en disant que ces papiers n'ont pas vraiment d'intérêt. Mais en fait, vous allez voir que finalement, ces papiers, ils ont de l'intérêt pour un certain nombre de personnes. Donc la tête de ces papiers, Guillaume, tu nous montrais là, c'est voilà, ça s'est généré automatiquement. Vous pouvez essayer de le lire. Peut-être, donc ça génère plein de choses, hein. Ça génère des graphiques automatiquement, ça génère les références, les citations, c'est très important aujourd'hui. Donc tout ça, c'est généré automatiquement et généré un peu n'importe comment, puisque ça utilise des grammaires hors contexte pour faire ça. Donc ils ont écrit une grosse grammaire hors contexte qui leur permet de générer automatiquement ces papiers-là. Ces papiers, ils ne sont pas détectables par des outils de plagiat, de détection de plagiat. Donc ici, vous avez un de ces articles qui est passé au travers d'un détecteur de plagiat. Et vous voyez qu'on a un taux de similarité qui est assez important, de 36%. Mais par contre, chacune des sources ne représente que 1%. Et donc du coup, voilà, ces articles-là, ils vont passer au travers des détecteurs de plagiat qui vont chercher des gros pavés de textes qui sont repris qui sont du copier-coller d'autres articles. Donc du coup, ces papiers-là, ils sont passés au travers de la peer review, ils sont passés au travers du screening des éditeurs et ils ont été publiés par un certain nombre d'acteurs de la publication scientifique, donc en particulier I3E et Springer. Et donc les trois étudiants, ils avaient juste mis en ligne un site web sur lequel il suffisait de cliquer pour générer un papier. Et donc voilà, il y a plein d'auteurs qui ont utilisé ce service-là pour se créer un CV et puis faire que leur papier soit accepté. Donc du coup, ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a essayé, il y a plusieurs manières de les détecter automatiquement, puisqu'on les trouve à la fois dans Google Scholar ou dans les catalogues des maisons d'édition. Il faut être capable de les détecter automatiquement pour les enlever. Donc il y a plusieurs manières de faire. Donc celle qui est présentée ici, c'est à base de ce qu'on a appelé des fingerprints. Donc c'est des séquences d'une dizaine de mots assez longues qui finalement vont devenir caractéristiques de ce que génère cet outil-là. Donc on a fait une liste de ces fingerprints qui caractérisent, et donc voilà, tous les papiers qui vont être générés par cet outil vont contenir un certain nombre de ces fingerprints. Et après, donc, on interroge un moteur de recherche
qui permet de, donc qui s'appelle Dimension, c'est une sorte de Google Scholar sur lequel on a l'autorisation de faire des requêtes automatiques. Et donc on va faire des requêtes pour essayer de trouver tous les papiers qui contiennent beaucoup ou assez de fingerprints, ou même des fois une seule fingerprint, ça permet de détecter un papier qui a été généré automatiquement. Donc voilà, cet outil a permis, ça a donné lieu à une publication dans un journal qui s'appelle Jazzist, dont la version papier est sortie en décembre. Voilà, il était là. Et donc, Guillaume a mis en ligne une base de données dans laquelle tous ces papiers-là sont répertoriés. Et donc, vous voyez qu'il y avait 262 articles qui ont été publiés et indexés dans la Dimension. Il y en a peut-être plus qui ont été publiés, mais en tout cas, on a été capable d'en trouver 262. Et au moment où on a fait l'expérience, il y avait un grand nombre qui n'étaient pas rétractés. Donc, ça veut dire que personne n'avait remarqué que ces papiers qui n'ont strictement aucun sens, puisque la grammaire hors contexte fait que les mots qui sont choisis sont complètement aberrants les uns par rapport aux autres. Il n'y a aucun contexte qui sert à les choisir de manière aléatoire. Et pourtant, eh ben, ils ont été publiés, vendus et accessibles en ligne. Et vous pouvez voir aussi que vous voyez l'I3E là, qui est un grand, en troisième position, quatrième position dans le graphique, qui est un grand éditeur vous le connaissez peut-être parce que c'est aussi un organisme de normalisation. Donc les normes Wi-Fi, par exemple, sont issues de cet organisme-là, qui a publié des choses qui sont complètement aberrantes. Et du coup, oui, donc du coup, il y a une dans ce que montrait, on a aussi vu donc là ce que montrait Guillaume à l'instant, c'est que on peut sur le site web, vous pouvez aller flaguer ces choses-là en utilisant Peppeer. D'accord, donc vous pouvez aller vous avez un lien vers Peppeer où effectivement on a flagué sur Peppeer les papiers pour que les gens sachent qu'effectivement ces choses-là c'était des choses générées. Et c'est grâce à ce travail qu'on a rencontré Alexander Magazinov, dont on va vous parler maintenant. Et voilà, Alexander Magazinov est venu nous voir en disant « c'est bizarre, je trouve des choses. Déjà, je trouve que vous postez trop sur ces papiers qui n'ont pas de sens, il y a des choses plus importantes à poster. » Bon, voilà, on a eu des discussions là-dessus, nous on pensait que c'était important parce qu'il y avait des grands publishers effectivement qui publiaient ces articles-là, donc c'était important de les flaguer. Mais lui, il nous a dit « je trouve des choses vraiment bizarres dans ce style-là. » Donc je trouve des expressions qu'on a appelées torturées, comme par exemple « man-made brain power ». Et qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire, ceci? Donc, s'il y avait un chat, je vous demanderais de répondre dans le chat pour quel est votre avis. Et donc, en fait, c'est pour intelligence artificielle. Et donc, il y a plein de papiers dans lesquels on retrouve, à la place d'intelligence artificielle, « man-made brain power ». Sun Oriented Force pour Solar Energy, etc. Pinnacle Flag to Clamor Proportion, c'est un de mes préférés. Il est vraiment complètement étrange. Le Boson Malignancy aussi pour le Breast Cancer, Credulous Bias pour Naive Bayes. Et donc on a, et puis le SRAS aussi sous une forme étrange. Et donc voilà, toutes ces expressions torturées apparaissent dans des revues scientifiques qui sont censées publier, voilà, on parle ici de notions qui sont des notions scientifiques, où elles ont un nom et on devrait utiliser ce nom-là, il n'y a aucune raison de transformer la dénomination de ces choses-là. Et pourtant, Alexander Magazinov en trouvait plein. Et donc du coup, on s'est posé la question, on a recensé ces fingerprints, ces nouvelles fingerprints, donc ces torturées de phrases. On a écrit un preprint, donc du coup ça c'est sous forme d'appel à l'action. Et ce preprint, on l'a finalement pas été publié encore pour l'instant, il est resté dans l'archive ouverte Arxiv, mais il a eu quand même un grand impact. Donc malgré le fait de n'être pas publié dans une grande revue, voilà, il a eu quand même un impact. Et voilà, vous voyez ici un certain nombre de gens qui se sont fait écho de ce qu'on relate dans ce papier. Donc ce qu'on relate dans ce papier, c'est ces expressions torturées. On pense qu'elles peuvent venir de on imagine trois sources possibles. Donc de manière assez naturelle, on pense à la traduction automatique. Donc on traduit par exemple un texte dans une langue, et puis après on fait l'opération inverse
pour revenir dans la langue originale. Et on se demande, est-ce que ça peut produire des expressions torturées? Et donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de mots qui, effectivement, sont changés, ne sont pas traduits exactement de la même manière, mais dans l'ensemble, ça reste extrêmement cohérent. Donc, à notre avis, ces expressions torturées ne proviennent pas de ce type d'outils. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle des paraphraseurs automatiques. Donc, il y a des outils en ligne où vous leur donnez un texte, et vous appuyez sur le bouton et ils vous les réécrivent. Donc il y a plusieurs générations d'outils comme ça. Il y a des générations qui sont juste basées sur des thésaurus et qui essayent juste de changer les mots par les synonymes. Et puis après, il y a les nouvelles générations sont plus évoluées que ça, ils réécrivent les phrases, etc. Mais donc ces anciennes générations, elles ont tendance à générer des expressions torturées. Donc ici, vous avez par exemple un counterfeit logical à la place de fake scientifique. Fake scientifique devient counterfeit logical, donc scientifique transformé en logical, ça n'a pas de sens. Et donc voilà, c'est des services payants, donc les gens qui ont envie d'utiliser de manière intense hein, ce genre d'outils vont devoir payer. Et donc là, il y a une sorte de business autour de cette réécriture automatique qui peut servir à la fois à des paper mills, dont on vous parlera peut-être un peu plus tard, donc des organismes qui génèrent du papier ou peut-être à des étudiants qui ont envie d'avoir un rapport pas cher en faisant du plagiat, des choses comme ça. La troisième solution auquel nous avons pensé, c'est que vraiment, il y a des fois où le texte qu'on lit, on a vraiment du mal à en comprendre le sens et même en cherchant des synonymes, etc., on n'arrive pas à comprendre ce que le texte peut bien pouvoir dire. Et donc, une des possibilités aussi, c'était d'utiliser, que les gens utilisaient des générateurs de texte style le GPT, donc les transformeurs qui sont très à la mode, enfin, qui sont les dernières méthodes de génération de texte, de modèles de langue aujourd'hui. Et donc, c'est des choses qui sont capables de vous poursuivre un texte. Donc, vous, par exemple, ici, on a tapé la première phrase de notre préprint et on a demandé à l'outil de compléter. Et donc, il nous génère automatiquement une phrase. À la première lecture, vous pouvez avoir l'impression, on peut essayer d'imaginer un sens derrière, etc. Mais il y a des drifts de thématiques qui se produisent. Et très vite, on se rend compte que ce texte-là est complètement aberrant. Mais par contre, même si on a du texte aberrant ici, on ne va pas avoir de tortured phrases. Donc la conclusion qu'on a tirée, nous, c'est que vraiment, c'était ces outils de réécriture automatique qui généraient ça. Mais le GPT-2 est livré, entre guillemets, avec il y a des gens qui ont travaillé sur un détecteur automatique de ces phrases générées automatiquement avec l'outil GPT-2. Et on a remarqué que voilà, les textes qui contenaient des phrases torturées étaient flagués comme étant généré automatiquement par GPT-2. Donc ici, vous avez un exemple de ce GPT-2 détecteur qui est vert pour le texte d'origine et rouge pour le texte paraphrasé. Donc par exemple, ici, vous avez le Arbitrary Timberland Arrangement pour le Random Forest Classifier. Et donc du coup, il y a des gens qui ont utilisé ce genre pour faire ce qu'on appelait des lazy surveys. Donc ils utilisent la réécriture automatique pour simplement prendre des abstracts les uns à côté, les coller les uns à côté des autres. Et voilà, ça fait un bel article de survey où on raconte ce qui se passe dans la littérature scientifique. On a utilisé ce détecteur de GPT-2 pour screener de manière un peu automatique le catalogue d'Elsevier. Et on est tombé sur un journal en particulier qui s'appelle Microprocessor and Microsystems, dans lequel il y avait une proportion très grande de papiers qui étaient flagués de manière forte par le détecteur GPT-2. Donc ici, voilà, vous avez un 72% de résumé d'abstract de Micropro qui avait un score de GPT-2 plus grand que 98%. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que voilà, ce détecteur automatique, il a forcément un taux d'erreur qui est annoncé comme étant quelque chose de l'ordre de quelques pourcents dans le papier qui présente ce détecteur. Donc voilà, on ne sait pas trop si les 5-4% qui sont observés dans les autres papiers sont normales parce que c'est des faux positifs ou c'est aussi des choses qui sont aberrantes. Mais voilà, quand on arrive à 72%, là, on est quasi certain qu'il se passe des choses vraiment bizarres dans ce journal-là et qu'on va y trouver énormément de papiers avec des phrases torturées. Et
Du coup, voilà, ça montre que, voilà, ces chiffres-là, ça montre que vraiment il y a des choses à faire, il y a des papiers à enlever. Voilà, cette entreprise de dépollution qui doit être faite, elle est aussi chez les grandes maisons d'édition. C'est pas seulement chez les publishers predatory dont parlait Guillaume. Donc du coup, le PPS, le Problematic Paper Screener que je vous ai présenté tout à l'heure pour les papiers SciGen, donc générés automatiquement, on l'a mis à jour. Enfin, Guillaume l'a mis à jour hein, avec les papier détecté comme contenant des tortureuses fraiseuses. Et donc, voilà, on offre sur cette plateforme-là la possibilité de faire du crowdsourcing, c'est-à-dire que là, la flèche rouge vous indique des papiers qui n'ont pas été évalués par l'humain. C'est-à-dire que le PPS va aller chercher des candidats et derrière, on ne s'autorise pas à les poster automatiquement sur Peer. On demande vraiment à ce qu'il y ait une validation humaine de ces papiers-là. Alors, c'est extrêmement lourd, mais c'est hyper important dans le sens où, voilà, toute procédure automatique peut contenir des erreurs et c'est important que ce soit validé par quelqu'un prenne la responsabilité de valider qu'effectivement ce papier-là, il contient des expressions torturées, le texte n'est pas bon, c'est plagié ou réécrit peut-être d'autre part, etc. Donc la validation humaine pour nous est importante, c'est une étape vraiment indispensable. Et donc sur le PPS, vous trouverez des choses qui ne sont pas validées et qui sont en attente de quelqu'un, d'un scientifique qui veuille bien, un spécialiste de ce domaine-là, qui veuille bien aller faire un post sur Peer pour signaler qu'effectivement ce papier-là est problématique. Parce que finalement, on a retrouvé quand même beaucoup de ces papiers-là. Et du coup, ben voilà, il y a un certain nombre de personnes, il y a une sorte de communauté qui s'est créé autour du problématique paper screener pour aller essayer d'annoter tous ces papiers qu'on a observés. Donc, comme vous voyez Elisabeth Bick ici, peut-être, qui a utilisé ce problématique paper screener, enfin les tortureuses fraiseuses, pour flaguer des papiers. Donc, Elisabeth Bick, elle est plutôt spécialisée dans la détection d'images trafiquées. Mais voilà, le fait qu'il y ait des textes torturés, ben, ça l'aide aussi à détecter des choses qui sont étrangers. Donc, ça nous a permis de rencontrer d'autres gens. Il y a aussi des anonymes qui flaguent des papiers et qui détectent aussi des nouvelles expressions torturées. Et donc, du coup, dans le problématique paper screener, vous avez un endroit, un bouton qui permet de remonter des nouvelles expressions torturées, qui permettent de retrouver de nouveaux papiers, etc. Donc, il y a un peu un effet boule de neige. Et donc, on essaye de faire un focus aussi sur la nanobiologie, puisque au sein d'un projet ERC qui s'appelle Nanobubbles, et dont l'objectif est d'essayer de comprendre pourquoi, comment la science n'arrive pas à s'autocorriger. Et donc, voilà, au sein de ce consortium-là, on essaye de travailler un peu plus sur les aspects liés à la nanobiologie. Et donc, voilà, le fait que ces expressions torturées sont effectivement des indices d'autres problèmes dans les papiers. Et donc, je vous disais qu'on en avait trouvé beaucoup. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a plus de 5 000 papiers qui sont dans le problématique paper screener et qui en a un certain nombre qui n'ont pas encore été flagués, qui sont en attente de l'évaluation humaine. Et voilà, il faut avoir la proportion. Et autant la proportion des papiers générés automatiquement, qui n'ont strictement aucun sens, était relativement faible, autant la proportion de ces papiers avec des tortureuses fraiseuses est relativement importante. Et puis avec des provenances qui sont aussi très spécifiques, puisque c'est des choses qui proviennent principalement d'Inde et de Chine. Donc c'est des pratiques qui sont dues à des systèmes particuliers de gestion de la science, on va dire. Et donc voilà, c'est peut-être, je vais te laisser un peu de temps pour la fin, Guillaume. Donc en tout cas, ce papier sur les tortures de fraiseuses, il y a eu beaucoup d'échos. À la fois, ça a donné lieu à plusieurs news dans Nature News, et puis ça a donné lieu aussi à beaucoup d'articles dans Retraction Watch. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un site qui est spécialisé dans les rétractions de papier. Et puis ils ont en particulier fait celui que j'aime bien, c'est le This Shit Comments. Donc c'est un auteur de papier
générée automatiquement, qui disait que vraiment on n'avait pas, dû au copyright, on n'avait pas le droit de poster des choses sur Peppeer et que de toute façon il n'en avait rien à faire de nos commentaires et que son papier était publié et qu'il était bien content comme ça et qu'on n'avait pas le droit de le commenter. Voilà, une manière étrange de voir qu'est-ce que c'est qu'un papier scientifique et qui devient vraiment une unité de comptage et plus du tout une unité de transmission du savoir. Et donc voilà, et ces papiers torturés ont aussi permis une reconnaissance importante avec la nomination de Guillaume dans les 10 personnes qui ont aidé à shaper, à faire la science en 2010. Donc voilà, c'est une récompense qui a été un grand. Voilà, Sunlight at Tess Effington, ce genre de visibilité, et ben finalement, ça aide aussi à dépolluer, enfin, ou en tout cas à faire connaître ce genre de problème et à attirer l'attention des gens sur ces problématiques et sur le fait que la pression à la publication, cette course à la publication engendre des tas de problèmes. Et ce qu'on vient de voir n'est qu'une facette de ces problèmes parce qu'il y en a aussi beaucoup, beaucoup d'autres. Et donc, voilà, Guillaume va vous parler un peu plus de d'autres problèmes reliés à ces choses-là. Alors, le point suivant est sur l'attaque, en fait, de l'évaluation par les pairs, par des gens malveillants, qu'on a pu identifier dans notre préprint de juillet. Donc, on traitait à la fois de l'analyse du texte en cherchant des tortured phrases, mais aussi des métadonnées en fait, qu'on absorbait à partir de Crossref qui exposent des données qui sont dans le domaine public. Donc là, on se mettait dans la peau d'une maison d'édition et on comptait tout simplement combien il y avait d'articles publiés par volume de microprocessors et microsystems. Donc comme si j'étais Monsieur Michelin et je compte combien j'ai de pneus qui sortent de mes usines. Et on peut se dire que s'il y a un x8 sur le nombre de pneus qui sortent de mes usines, alors que je n'ai pas recruté plus de monde, ça paraît un peu bizarre. Il y a un truc qui se passe mal. Peut-être que les pneus, je les fais un peu plus vite et plus mal. Donc ça demande à aller explorer ça. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons vu que par le passé, jusqu'en 2019, cette revue publiait quelques articles par numéro, à peu près 20. Et tout d'un coup, il y a une bulle, une inflation qui explose. Avant cette bulle, on avait remarqué que le CNRS en France était un des auteurs les plus fréquents, donc ce qui tente à indiquer que c'était une revue sérieuse, quoi, utilisée par des collègues en France. Malheureusement, après coup, on identifie là une sorte d'inflation avec des délais, également des délais d'évaluation des articles qui se réduit de plus en plus jusqu'à peau de chagrin. Donc en utilisant de la science des données vraiment basiques, c'est ce qu'on enseigne à nos étudiants de première année, hein, arriver à faire des stats comme ça, sur des données publiques, on arrive à identifier des problèmes potentiels. J'ai pu demander à des éditeurs, est-ce qu'ils utilisent des statistiques sur leurs revues? Non, en fait, ce n'est pas fait de façon systématique pour tous les éditeurs. Donc, c'est un conseil qu'on leur a donné d'essayer de se doter de tableaux de bord par revue pour identifier des méconduites au travers des temps d'évaluation qui se réduiraient ou du volume de publication qui augmente. Ce qui intéresse l'éditeur, parce qu'il a plus de choses à vendre, mais si ces articles-là sont à retirer, là, dans cette revue, il y a 400 articles qu'ils ont retirés, c'est de la mauvaise presse et ce n'est pas bon pour la science. Voilà, 400 papiers à retirer. Il y a eu plusieurs conséquences délétères, à la fois pour Elsevier et pour Springer aussi, qui publiaient dans the Arabian Journal of Geosciences 400 articles qui n'avaient aucun sens. C'était comme essayer de mêler du vinaigre et de l'huile, ça ne marche jamais. En fait, on parle de géosciences dans l'encart bleu, et là, tout d'un coup, c'est la danse latine, est un sport qui se pratique en Chine. Donc là, c'est, je pense, une entreprise malveillante, des gens qui sont introduits dans le système d'évaluation de cette revue-là et qui ont envoyé et accepté plus de 400 articles. Peut-être pour nuire à Springer, peut-être pour nuire à The Arabian Journal of Geosciences, qui est édité par la Saudi Society for Geosciences, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que les temps d'analyse des articles se sont réduits et qu'il y a eu une explosion du nombre de papiers acceptés.
Alors, le point numéro 4 fait référence aux usines à papier, aux paper mills, donc des moulins à papier, qui sont des entreprises documentées depuis au moins 2013, sûrement un petit peu avant, en particulier en Chine, où la pression est très très forte. Donc, ce qu'on peut voir dans les articles de Sciences humaines, c'est que un chercheur de l'équivalent du CHU en France, bien sûr, il doit enseigner, il doit être praticien. Et il doit trouver, non pas être chercheur, mais trouver, parce qu'il y a des quotas. Il faudrait qu'il y ait deux articles par an publiés dans les meilleures revues au monde. Donc, je sais qu'en France, on a le point SIGAPS qui permet de rémunérer les équipes en fonction de leur position dans l'authorship et les revues. Là-bas, c'est poussé encore plus loin, puisqu'il y a des quotas. Et si vous n'atteignez pas les quotas, vous n'aurez pas la promotion, c'est sûr, et parfois même, vous serez licencié, voilà, de votre poste. Donc cette pression a poussé certains scientifiques à demander de l'aide, donc à s'adresser à des paper mills qui sont des entreprises qui ont pignon sur rue, auxquelles on peut commander une espèce de proto-article sur tel sujet, voilà, l'effet de tel gène sur telle maladie. Et donc dans ce paper mill, il y a des gens qui vont assembler des éléments pour construire un article. Et en particulier, ils vont aller voler des bouts de texte, donc qui proviennent des abstracts d'articles qu'il faut citer dans l'état de l'art, et faire copier, paraphraser, coller ce qu'on a vu précédemment et qui génère des expressions torturées. Donc en faisant ces lazy surveys, ces états de l'art du fainéant, finalement, ces phrases torturées arrivent dans les articles produits par les paper mills. Donc ce sont des indices en fait que nous utilisons pour identifier les papiers qui possèdent des problèmes intrinsèques. Mais là, ce sont des problèmes au niveau linguistique qui posent un certain nombre de difficultés, certes. Mais plus tard, quand des experts métiers de microbiologie, par exemple, rentrent dans les papiers et font des rapports sur papier, on voit que le langage est juste le haut de l'iceberg de tous les problèmes des papiers. On peut trouver des papiers qui parlent par exemple de 15 souris au début de l'expérience et puis après il n'y en a plus que 8. Ou alors c'est des souris puis c'est des rats. Ou alors c'est des rats qui donnent naissance à des souris. Voilà. Si vous regardez Peupir, ce qui est une bonne chose à faire à mon avis pour se former à identifier des problèmes dans les articles scientifiques, vous verrez tous ces cas-là qui sont décrits par des volontaires et bénévoles qui cherchent à dépolluer la science. Et donc, désormais, en 2021, il y a encore des articles dans Nature sur les paper mills, puisque c'est un phénomène qui s'est accru récemment. Donc, vous verrez des blogs aussi qui sont des blogs de spécialistes en biomédical, par exemple, où Léonie Schneider et d'autres qui sont invités et qui postent sur ces blogs vont décortiquer chaque méconduite et qui vont montrer un peu à la Elisabeth Bick ici. Des problèmes sur les images avec du photoshopage en masse. Le problème, c'est que les publishers, eux, réagissent très très lentement, voire ne réagissent pas du tout, ce qui est source de tension entre les scientifiques qui sont des lanceurs d'alerte et les maisons d'édition qui cherchent à minimiser l'impact négatif de ces révélations sur leurs revues et sur leur prestige. Donc, je finirai par un dernier cas identifié sur Peupir récemment. Du hacking de citations. Donc, il s'agit par exemple d'une personne qui a eu sa thèse en 2015 et qui a une carrière stellaire, qui publie énormément d'articles, qui sont énormément cités, à tel point qu'il est listé dans le Highly Cited Researchers palmarès de Clarivate. Alors, les conditions pour y rentrer, d'après Clarivate, sont assez drastiques. Il y a évaluation des contributions par des experts, des analystes. On peut en douter vu le nombre d'articles à problème signalés sur Peupir à propos de cette personne, mais aussi d'une quinzaine, je dirais, d'une quinzaine d'autres personnes qui ont le même profil. Voilà. De la production en masse, beaucoup d'articles qui contiennent des erreurs et produire beaucoup d'articles ne suffit pas pour entrer dans ce palmarès des Highly Cited Researchers, il faut être beaucoup cité. Donc on remarque pour ces personnes-là, qui par exemple interviennent en informatique, des citations qui proviennent de l'ensemble des champs de la science. Par exemple de la physique des particules, de la chimie,
un peu de tout, quoi, des citations qui proviennent sans raison intellectuelle. Quand on regarde les contextes de citation, on ne comprend pas pourquoi cet article d'informatique-là est cité. Eh bien, tout simplement, notre hypothèse, et qui est soutenue par d'autres observateurs, c'est que ces personnes-là ont peut-être acheté un nombre de citations pour monter dans les palmarès et pour être promu. Donc, c'est comme si moi, fraudeur, j'achetais 500 citations à un paper mill, et ce paper mill s'arrangera pour insérer des citations à un moment de la chaîne éditoriale, peut-être au niveau du typesetting. Donc, votre article à vous qui viendra accepter va alors contenir une citation vers un des fraudeurs qui a acheté 500 citations, par exemple. Alors là, c'était le cas d'articles sur l'autisme qui ont fait l'objet de plusieurs posts sur Puppeer, que je vous engage à aller consulter. Puppeer est une super ressource pour comprendre pourquoi ça vrille et à quel point ça vrille et pour observer ça. Donc là, il y avait plein d'articles qui citaient certains articles d'une personne qui avait le même profil avec une explosion de citations, etc. D'autres, je peux le dire, peut-être trichent de cette façon avec des citations en rafale vers la même personne. Et même parfois, quand on lit le contenu, on ne comprend pas trop pourquoi ces travaux-là sont cités, puisqu'ils n'ont rien à voir. Et y compris dans Scientific Reports, qui est quand même vanté par Nature comme la sixième revue la plus citée dans le monde, qui a publié des articles problématiques. Et là, vous voyez l'annotation que fait un collègue anonyme sur Puppeer. Il va surligner plein de problèmes et indiquer que, par exemple, les références de 1 à 5 n'ont rien à faire là, ça n'a rien à voir avec le contexte de citation. Et cet article a été rétracté le 10 février, alors qu'il avait été mis en ligne le 30 août dernier. Donc, sur Puppeer, il y a des vigilantes. C'est le terme employé en anglais, donc des personnes qui sont très vigilantes et qui réagissent le plus vite possible. Donc j'en viens à la conclusion et notre message, c'est il faut dépolluer la littérature scientifique puisqu'on a beaucoup de murs avec des trous comme ça. On a utilisé à dessein le lexique du crime puisqu'en fait c'est une pièce comme une pièce de théâtre avec des malfaiteurs, donc des faussaires pseudo-auteurs qui ont un mobile, la promotion, la reconnaissance. Augmenter leur capital symbolique, qui sera plus tard transformé en capital économique, en fait, par une promotion, je vais avoir davantage d'argent et je vais être symboliquement plus haut placé dans la hiérarchie dans mon institution. Les modus operandi sont des plagiats, des infiltrations de revues, des achats de citations et les conséquences, en fait, qui sont les victimes, c'est le terme qu'il faudra employer, les victimes, en fait, c'est nous. C'est nous qui faisons confiance à la science, c'est nous qui. Allons essayer de bâtir de la science solide sur des briques qui sont pas fiables, sur de la pollution. Et c'est aussi la société en fait qui a peut-être moins confiance à la science à cause de cas comme ça qui sont parfois médiatisés. Donc les détectives, nous en faisons partie, mais il y a plein d'autres personnes sur Puppeer qui sont à la fois des professionnels et des amateurs. Nous sommes tous bénévoles et volontaires. C'est du travail qui est fait pro bono. L'objectif, il est double. Il y a une partie curative. Tout ce qui a été publié qui contient des erreurs, ça va rester là tant que personne ne s'en occupe. Donc, on essaie d'aller sur la plage et d'enlever les petites galettes. Et il y a aussi un objectif préventif. Au sein de ce projet ERC Nanobubbles, nous cherchons à anticiper des nouveaux types de fraude. C'est-à-dire qu'il faut monter en compétence, faire de la veille technologique et scientifique pour identifier les futurs types de plagiat. Et le moyen que nous avons utilisé pour aider toutes les bonnes volontés à cibler des articles à problème, puisqu'en fait, si on n'a aucun moyen, il y a 120 millions d'articles qui sont indexés, lequel je vais chercher à réévaluer, ben nous avons proposé ce problématic paper screener qui permet de lister des articles candidats potentiellement à problème. Et nous invitons tous les gens formés en sciences à participer à cette dépollution. Qui est modéré sur Puppeer, il faut le dire, les administrateurs de Puppeer modèrent les discussions, ce qui permet d'avoir des échanges de très haute qualité. Donc, merci beaucoup pour votre attention et nous sommes à votre disposition pour les questions.
Merci beaucoup, c'était super intéressant. Alors, il y a quelqu'un qui demande si vos diapos seront disponibles sur Pixel. Pixel, c'est l'intranet. Est-ce que vous pourrez nous partager vos diapos? Oui, on les mettra même sur HAL, comme ça sera encore plus large. Sur OK. Donc oui, on aura vos diapos et puis la vidéo sera sur la chaîne YouTube des HCL. Il n'y a pas encore, si je regarde bien, de questions spécifiques, donc je vais en profiter. Moi, j'ai une question à propos du générateur d'articles automatiques fait par les étudiants du MIT. Donc, on a trouvé plein d'articles générés ainsi dans des revues scientifiques. J'imagine que ce n'est quand même pas dans Cell ou dans Science, non? Est-ce que c'était que dans des revues prédatrices ou est-ce que vous en avez trouvé un petit peu aussi dans des très grandes revues? Alors, on n'a pas trouvé dans des très grandes revues, on a trouvé, mais on n'a pas trouvé dans des choses prédatrices. Donc, c'est un peu la discussion qu'on a eue avec Alexander Magazinov, de savoir où se situer. En fait, il y a tout le continuum en fait, entre le grand éditeur et puis l'éditeur complètement prédateur. Voilà, il y a tout le continuum. Et des fois, les grands éditeurs, ils ont aussi des venues ou des choses qui sont aux limites. Et donc, en particulier, la Lit3E, ils avaient des conférences où ils annonçaient des taux de sélection de 25%, par exemple, dans lequel, eh ben, il y avait quand même des papiers qui étaient générés automatiquement. Il y avait dans des, enfin, c'est effectivement dans des revues qui sont censées être peer review chez des éditeurs qui ont pignon sur rue. D'accord? C'est des grands éditeurs américains, enfin, pas des grands éditeurs américains, mais bon, c'est des organismes. Qui sont effectivement qui ont pignon sur rue et qui sont des choses reconnues, etc. Donc c'est pas des revues prédatrices. On a vraiment trouvé ces papiers-là dans des vraies revues Mais qui ne sont pas des revues prédatrices. c'est des articles qui n'ont aucun sens. C'est des articles qui n'ont strictement aucun sens. Oui. Donc, si on a ça à reviewer, on dit d'emblée à l'éditeur de mettre ça à la poubelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas Alors. de peer reviewing de ces papiers, quoi, du tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de peer review, ou alors c'est du peer review qui est fait par des gens qui parlent mal anglais, par exemple, ou des gens qui ne sont pas du tout compétents et qui vont être impressionnés par le texte qui va affirmer des choses assez fortes, mais dans lequel il n'y a aucune coquille, c'est grammaticalement correct, etc. Donc ça n'a strictement aucun sens. Et un étudiant je sais pas, de deuxième année en informatique, il comprend que ça n'a strictement aucun sens, quoi. Et donc après, par contre, un éditeur qui n'est pas compétent, il peut croire que peut-être ça a du sens et que lui, en tout cas, ne se sent pas compétent pour dire que ça n'a pas de sens. Mais bon, les références sont complètement aberrantes, de toute façon, parce qu'elles sont générées automatiquement aussi. Les graphiques sont complètement surréalistes. Donc bon, on se demande comment c'est possible, quoi, mais oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut envisager qu'un jour, Saïgène écrive vraiment un article intéressant qui permette de générer des hypothèses intéressantes ou comme la bibliothèque de Borges, là où on se dit que dans tous les livres, si on a écrit tous les livres possibles, il y aura un livre où il y aura écrit la clé du mystère? Donc, les gens qui font de la génération de texte, il y en a qui la font pour des motifs très sérieux. C'est-à-dire, par exemple, on génère automatiquement des bulletins météo, ou on génère automatiquement des résumés de matchs de foot, ou des choses comme ça. Donc, il y a des gens qui font de la génération de texte de la génération de texte qui a du sens. Et on peut très bien imaginer qu'un jour, voilà, on fait du résumé automatique, voilà, donc on peut très bien imaginer qu'un jour, il y a des gens qui ont aussi fait un outil semi-automatique pour faire de la littérature review et qui ont généré tout un livre de manière automatique. Donc c'était sur les batteries ion lithium. Et donc voilà, ils ont collecté des papiers, ils ont fait du clustering. Il y a l'humain qui est intervenu pour vérifier que le clustering était correct. Ils ont pu regrouper les choses, etc. Donc il y a une intervention humaine, c'est semi-automatique si vous voulez. Mais après voilà, il y a un résumé automatique de chaque papier en les regroupant selon les thématiques. Et donc voilà, on est aujourd'hui à un point où on voit arriver effectivement la génération de texte automatique qui va avoir du sens. Donc voilà, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui n'a pas de sens? Savoir détecter le sens, c'est une autre problématique, on va dire.
Et est-ce qu'on a vraiment envie que ce soit les machines qui détectent qu'est-ce qui a du sens ou pas? Bon, voilà. Là, après, on rentre dans des problèmes éthiques et philosophiques sur qu'est-ce qui nous vaut en science, qu'est-ce qui est censé, qu'est-ce qui n'est pas censé. Voilà. C'est d'autres problèmes que je pose. Mais donc là, nous, on s'intéresse vraiment à des choses qui n'ont strictement aucun sens Ouais. et qui pourtant passent le peer review. Et là, Je reviens à un truc très basique, mais Monsieur Gadret, il y a eu un bandeau qui disait qu'on n'avait plus que 5 minutes et il y a quelques questions. C'est possible de régler le problème pour qu'on ait le temps de terminer la discussion. Donc, j'ai une question de David Méronnet qui est anapath dans l'hôpital, qui demande si vous avez pu analyser avec votre approche ce qui est arrivé à la revue OncoTarget, ce qui a été retiré de Clarivate. OncoTarget, c'est une revue dont on se pose un peu la question de savoir si elle est prédatrice ou pas. Je crois qu'elle est dans le purgatoire des revues, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez des choses spéciales sur cette revue-là ou... alors oui, c'est plutôt l'aspect avec Jennifer Byrne, Cyril. Si tu veux commencer, je vais chercher des éléments. D'accord. Donc, bah, je signale juste le travail qu'on fait avec Jennifer Byrne, qui est spécialiste effectivement en oncologie là, et sur lequel on a construit un outil automatique qui permet de détecter les primeurs erronés qui sont mal décrits, les primeurs qui sont mal décrits dans les publications scientifiques. Donc voilà, les gens qui annoncent qu'ils vont utiliser tel primeur pour faire un knockdown de gene ou pour surexprimer un gène ou des choses comme ça. Et donc souvent, il y a des erreurs. Le primeur annoncé ne va avoir aucune homologie avec le génome humain, par exemple, alors qu'il est censé enfin, rendre silencieux la production d'une protéine. Et donc du coup, voilà, l'objectif, c'est de détecter ces papiers qui contiennent ces erreurs, parce qu'en général, c'est des papiers qui sont issus de PaperMill et qui sont assemblés un peu de manière n'importe comment. Et voilà, ça, c'est un signal que l'ensemble du papier peut être problématique. Et donc, il y a des revues qui sont effectivement ciblées par des PaperMill ou qui sont contrôlées plus ou moins, ou dont l'éditeur n'est plus opérationnel, ou les PaperMill ont réussi à mettre en place un éditeur qui leur est favorable ou qui contrôle. Et donc du coup, voilà, il y a effectivement des revues qui sont un peu infiltrées par ces types de publications qui sont complètement fabriquées et qui contiennent des données complètement fabriquées. Donc après, peut-être Guillaume, tu es peut-être capable de dire un peu plus de choses sur cette revue-là en particulier? Alors, non, c'est plus global, là, sur le Problematic Paper Screener, on a mis en tableau les 791 articles qui ont été signalés par les différents travaux qu'on a menés avec l'équipe de Jennifer Byrne. Ce qu'on peut rajouter ici, c'est que quand on regarde si ces articles sont cités, oui. Il y a 21 000 citations en tout sur ces 791 papiers. Ce qui pose problème, puisque ça veut dire que des travaux s'appuient sur des briques non fiables de connaissances. Et nous allons sous peu poster sur papier l'ensemble de ces 791 papiers en indiquant clairement quel est... Je vais essayer de faire peut-être une... Si j'arrive à trouver. Mais donc, du coup, le G-Report, je pense que c'est celui qui est ici, là, qui est chez Spondidos, c'est ça, Là, il y a un Pierre? OncoTarget dont on nous parlait. Ah, c'est OncoTarget dont Oui, on parlait. je vois pas bien là, mais. Ouais, c'est ça. Donc, Il y a effectivement, une là. question que... Oui. qui est intéressante. Est-ce que vous avez observé des domaines scientifiques plus concernés par ce genre de pratique que d'autres? Et donc, bah, pour nous, nous, c'est la médecine, notre domaine de prédilection. Est-ce que les papiers scientifiques qui concernent la santé, les prises en charge thérapeutiques, etc., sont épargnés ou pas du tout? Alors, je peux répondre. En fait, notre approche, elle est biaisée par d'où on parle, hein, puisque nous sommes informaticiens et Alexander Magazinov est mathématicien. Donc, on a commencé par des expressions torturées dans nos domaines qu'on arrivait à identifier facilement. De proche en proche, par un aspect boule de neige, on a trouvé d'autres expressions torturées. Et par la suite, des collègues enfin, je dis collègues au sens large, d'autres scientifiques sur PubPeer ont identifié dans des
articles de biomédical, des problèmes sur ce domaine-là. Donc en fait, ce n'est pas nous qui avons trouvé que, par exemple, chest peril, c'était breast cancer, puisqu'on ne l'aurait pas forcément vu. Ce sont, par exemple, Elisabeth Bick ou d'autres collègues qui sont spécialistes de ces domaines-là. Donc plus les gens postent sur Peer en mettant « on a trouvé des phrases torturées », plus on détecte ces nouvelles phrases torturées, puisqu'on fait une veille sur Peer, et on peut les rajouter au système, en fait, qui va crawler tout ce qui est publié chaque nuit et tenter de trouver de nouvelles phrases torturées. Donc, en médecine, par exemple, on trouve « mind waves » au lieu de « brain waves », donc les ondes de l'esprit, voilà, ça ne devrait pas avoir sa place là, et d'autres éléments de ce type. Voilà. Ou « medication conveyance » au lieu de « drug delivery », voilà le type de choses qu'on trouve. Mais c'est vrai qu'il nous faut l'avis expert. Mais donc la médecine est particulièrement touchée, en tout cas, au travers de la Chine, avec la pression à publication que mentionnait Guillaume tout à l'heure. Donc, moi, je sais que Jennifer, là, qui est australienne, elle est particulièrement inquiète de savoir qu'il peut y avoir des études cliniques qui sont fausses ou des choses comme ça, quoi. Donc là, effectivement, c'est des choses qui potentiellement existent et qui sont impactantes. On va dépasser un peu, c'est bon pour vous si on dépasse un tout petit peu. Oui, oui. Moi, j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que vous vous intéressez, on a découvert que l'industrie du tabac est maintenant, ex-Monsanto, produit de la science, des données scientifiques pour faire parler autrement des produits qu'ils essayent de vendre. Dans tout ce qui est la démarche de fabrique du mensonge, ça a été appelé comme ça par Stéphane Foucard. Est-ce que vous vous intéressez aussi à... Alors là, c'est encore pire parce que c'est vraiment de la science, mais avec une intentionnalité de produire de la vraie science, mais qui fait regarder ailleurs du vrai problème. Est-ce que vous avez des idées pour travailler là-dessus, pour détecter ce genre de... Alors, en ce moment, on travaille avec une collègue des HCL, justement, Evelyne Decuyer, sur une analyse des liens d'intérêt qui seraient signalés, d'une part, dans les articles scientifiques. En fin d'article, les auteurs doivent signaler leurs liens d'intérêt. Et on va confronter ça avec le contenu de la base Transparence Santé, qui devrait être alimentée pour ces mêmes auteurs français. Voilà, on va se focaliser sur... les praticiens en France. On a déjà amorcé ce projet avec une publication dans la lettre du CNOM, le Conseil de l'Ordre des médecins, pardon, pour indiquer aux praticiens en France que cette étude entre les Hospices civils de Lyon, l'Université de Grenoble et l'Université de Toulouse va démarrer, et pour permettre à chacun de ne pas être concerné par l'étude, d'exprimer le droit de retrait. Voilà. Donc, c'est quelque chose que nous allons faire dans l'année 2022. Ok. Et mon autre question, c'était, est-ce que vous avez contacté des éditeurs pour leur proposer de mettre en place des outils de détection ou bien de faire du hacking éthique un peu en allant leur proposer de challenger leur publication avec les outils que vous développez? C'est plutôt le contraire, c'est les éditeurs qui nous sollicitent. Mais Cyril. Oui, donc les éditeurs effectivement nous sollicitent parce que ils n'ont pas la compétence, comme disait Guillaume, là, ils ont un peu de mal à gérer les choses. Donc on a déjà eu des collaborations, en particulier avec Springer, qui avait financé une thèse sur la détection des papiers Cygen. Et puis, on a monté aussi ce qu'on appelle une share task, donc on va mettre des données à disposition de la communauté pour essayer de détecter les papiers générés automatiquement. Voilà. Donc effectivement, les éditeurs scientifiques nous sollicitent pour, ou en tout cas, quand il y a du bruit, ils sont contents de communiquer sur le fait qu'ils travaillent avec nous. Après, c'est pas forcément... Oui, c'est des sollicitations sous forme de consulting, par exemple, de formation, de training pour leur personnel, voire même des offres d'emploi. Donc, à ce jour, on a à chaque fois refusé tout lien d'intérêt, justement. On est universitaire et on est sur la même longueur d'onde avec Cyril.
On ne cherche pas à créer une start-up avec tout ça, on veut tout simplement dépolluer. Et si on peut transmettre à n'importe quel acteur de ce milieu-là du code, le contenu de nos publications, ben c'est déjà fait puisqu'on fait tout en open access. Mais la marche d'après, c'est il faudrait carrément aller chez eux et brancher sur leur chaîne éditoriale le logiciel adapté. Et là, bon, on s'arrête et on ne peut pas faire ça, quoi. Il y a d'autres scientifiques dans le monde avec qui on est en contact qui font ça, qui ont monté une start-up, qui essayent de rajouter leur brique aux chaînes éditoriales, par exemple SciScore. Mais nous, on n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit. Ok, et eh ben, ok, plus d'autres questions, donc on va pouvoir terminer. J'espère que ça a intéressé les gens qui étaient connectés autant que moi, mais vraiment merci beaucoup. Je pense que c'est hyper important ce que vous faites et c'est bien de diffuser ça parce que ça me donne bien envie d'aller collaborer à vos travaux de recherche d'expression torturée. Et je pense que c'est un travail très, très important, y compris à la fin pour les patients qu'on soigne. Et ben, grand merci à tous les deux. Bon courage pour la suite de votre travail alors. Merci beaucoup. Et puis donc, pour les gens des Hospices civils de Lyon, la prochaine séance sera le premier mardi du mois d'avril. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.